Mesdames, Messieurs, la famille et toutes amis, frères, accès, compatriotes, moi salue nous toutes. Et c'est avec même plaisir, même engouement, même fougue et même respect nous toutes gagnons pour l'autre et toute équipe là ensemble avec nous. Rentrer la caillou, moi espérer et que nous toutes nous t'ai passé un très bon week-end. Nous pourrons passer une très bonne semaine d'information. Et bien, toute équipe là nous déjà présent et pour nous présenter et toute nouvelle cap dominée actualité. Matin, nous pourrons présenter au journal Mega Matin qui passait sur Radio Mega, puis gros réseau radio haïtien gagné sous la terre bénie. Écoutez ensemble avec staff Nouvelle Radio ça. Et bien, on pourra l'informer, on pourra le connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Écoutez Radio Mega, gros radio, l'IFE 5. 5h du matin, démarrer journée avec Mega Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans le Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Mega Matin, journal créole Radio Mega, côté vérité son priorité. Mega Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, invitez-vous à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Deuxième sortie journal Mega Matin pour ce maintenant. C'est Kounia jeudi à ce mardi 9 août 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec même plaisir, même fougue, même détermination. On est capable de nous tranche information si là. Bonjour avec Marcel Joseph qui avait reboté pour nous en Haïti. Bonjour avec différents collaborateurs et nos amis qui peuvent mettre notre journal sur 1700 AM. Bonjour Jean-Willer Sévère. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Rapidement, quelques principales informations que nous développons dans le journal pour mathématiques. Dans le communiqué, nous mettons dehors l'organisation américaine pour première fois. Lui-même blâmé la communauté internationale, l'idée qui échoué en Haïti. 20 dernières années présence communauté internationale, c'est un plus gros échec fait dans le pays, dans mon pays. C'est le communiqué ça qui croit toute institution dans le pays d'Haïti fin crasé pendant 20 dernières années. Famille proche, c'est sénateur Yvon Biscuette continue à réagir après l'assassinat de l'ancien député Okaïla Jean-David Genesté, démenti information qui t'a fait croire en ce sénateur l'entend victime à cause de la relation avec Toto qui n'a conflit avec le groupe gang Timaka qui a dirigé. Ce parlementaire a présenté ancien sénateur comme un monde qui est pas de violence, qui n'a jamais utilisé les armes, il était juste à chercher à passer dans la zone ça pour aller dans six pays. Professeur correcteur dans le lycée Pétionville, lui-même, le capé de travail à aller Diane pour exiger libération. Professeur Basler Morose, Negaxam, kidnappé mercredi passé. Professeur Saïwa encourager ministre éducation pour le capable prendre disposition pour permettre de rejoindre libération professeur pour processus correction capable de rapousser. Gang d'étape premier dans le pays, recruté en pile Timoun pour jouer divers rôles dans l'organisation criminelle Sayo. Sir Micole Delma 33 recevant en pile là-dedans dans le dernier mois Sayo. Jean-Philippe Massé a été accompagné trompette matinale émission sur antenne Radio Mega. Pour suivre un reportage spécial sur le dossier ça. Maître Romelson qui est lui était devant Gigli, Gige Walter, Roger Voltaire, et elle est dit, après plusieurs états audition, mais qui est lui retourné dans la prison malgré des avocats qui demandaient libérer. Gige l'a annoncé face à face entre Maître Pierre lui et ancien commissaire gouvernement bord de PA, d'après Maître Renan Georges, qui minimisait charge Kikembe contre secrétaire général de la Fédération Baoua. Maître Robinson Pierre lui était jeune support conseil lors d'avocat. Porte-Presse, bâtonnier et à Marie-Suzy Legros, fait qu'on ait obtenu libération avocat qui était civil en arrestation illégale. Bâtonnier a rappelé avocat à deux lagues depuis notre demande à Biascope Pousselin. Bâtonnier a rappelé DCPJ par qui ne doit arrêter personne. Espace Mobilisation Nationale a plaidé à faveur au soulèvement général dans la société à même gens. Jean-Sept Niotefel a pu arriver par le pays à l'autre indépendance. Jean Renaldo, membre Esquitissa, a lancé un appel par tout secteur de la vie nationale pour capable organiser. Yo pour planifier soulèvement ça pour débarrasser pays de mode dirigeant ça au cap tout petit
citoyens. Le collectif ancien député opposition quoi secteur démocratique à quel autre qui prend trop de temps pour te sortir d'accord en septembre. Abel Décoline rappelé depuis Nancy Ati à quoi il était déjà prévu les pas respecter. L'ancien parlementaire à quoi nous venons en fin cycle qui donc faut qu'il y ait un nouveau classe politique parce que ça l'a échoué. Manifestation de Dominique a fait la caille pour demander à la communauté internationale pour capable résoudre crise qui est en Haïti, l'illégitime d'après analyse et spécialiste relations haïtiennes Dominique. Qui c'est Yves Marie Chanel qui croit ça pas bien aucun incident diplomatique entre deux pays. Le bord spécialiste n'a pas écarté possibilité pour l'autorité dominicaine de prendre plus de mesures pour éviter plus haïtiens traverser illégalement la caillou. Les VKP qui fait contre Haïti en République dominicaine, c'est un gros honte pour les haïtiens, surtout entrepreneurs et même politiciens qui souvent à l'investir dans le pays. Ça, peuple collectif, ancien député opposition Abel Décoline critiquait cette grosse autobus qui souvent utilisent influence pour créer instabilité en Haïti pendant qu'ils investissent comme là en République dominicaine. Pour éviter Haïtien qui quitte le pays, Yves-Marie Chanel croit que c'est tout Haïtien qui concerné, résoudre un problème de sécurité, problème de stabilité pour capable de gagner dans le pays. C'est quelques problèmes qui doivent résoudre d'une façon pour pas gagner et vraiment Haïtien qui courir aller là et l'autre bord. C'est tout ce domaine, il y a quelques conseillers et spécialistes, on a fait conseil spécialiste, pour nous dire bien, vraiment, l'autre bord, Yves-Marie Chanel souhaitait autorité de pays qui d'avaler sur dossier migration côté Jodia là, Pep Dominique en relais à mouer avec Haïtien capoté mouer la caillou. Voilà pour ça, on a trié les autres après fait essentiel dans le cadre de deuxième présentation. Je n'ai la méga matin pour ce maintenant, mais matin différente, nous avons pour écouter comment tu as plévé avec Mme Christinette Saint-Georges capoté pour nous, toute dernière prévision météorologique pour journée. Mardi 9 août 2022. Avec différents collaborateurs, nous avons toutes les informations sur diverses zones de la région métropolitaine dans le cadre de la traversée. Nous allons faire le même exercice avec différents correspondants dans le cadre de la rubrique Rhône Provinciaux. Restez là, pas tout le bouton radio après suivre le journal Méga Matin sur antenne plus gros réseau radio haïtien dans le monde. Pas oublier ça, nous je dis, ils sont vérité absolue. Dans le journal Méga Matin, c'est Nouvelle Nobaye. Nous retournons. Voilà, merci à pile. Nous avançons avec Rubik à traverser notre allégé à la bataille avec Jean-Max Sony Despaille. Voilà, développement information, yo. Jean, nous t'ai annoncé dans le titre journal, la police a posé la patte sur présumé et bandit ça, présumé assassin, ça, selon la police, que nous allons venir avec information, puisque la police a présenté et citoyen ça comme monde qui est impliqué dans ensemble de vie action, et la police a cherché tout ça, tant couché fou. La police nationale a posé la patte sur mon actif gang Tigre, il a arrêté dans l'hôpital Nandelma 33, Monsieur Le Patrick Dieudonné, la police a présenté monsieur comme membre actif gang Tigre qui basé dans Delma 95. La police fait qu'on est arrêté citoyen ça, qui c'est Patrick Dieudonné à la date qui était 5 août 2021, dans l'hôpital, en centre hospitalier dans Delma 33, et il a acquisé monsieur de ensemble d'actions surtout. Côté, il fait qu'on est citoyen ça, qui est Patrick Dieudonné. Monsieur est impliqué dans l'époque 5 cas assassinats, selon la police. Et yo tap chache monsieur tant kou chien fou mais citoyen ça que les Patrick Dieudonné la police informé que ben monsieur li impliqué là dans plusieurs décès de vie action dans mon monde et li fait partie reproché comme monde qui fait partie association malfaite et fait li passé comme policier alors que le pas gain pour lui avec ça citoyen ça jeune dit là yo soupçonné monsieur dans plusieurs actes criminels réalisant vol les affaires monde assassinat 5 citoyens 5 monde est sorti 2009 pour arriver jusqu'à jeudi, hein, qui donc monsieur a fait ça longtemps selon la police. Monsieur a commis crime ça et surtout c'est les crimes que monsieur commet dans la commune Pétionville selon ça la police lui-même l'a dit. Pendant que yo a arrêté monsieur dans un centre hospitalier ça dans Delma 33, yo joindre ce citoyen ça un faux badge qui t'a identifié monsieur un faux badge la police comme quoi monsieur t'a un faux badge la police qui t'a fait quoi qu'ils sont policiers alors que la police fait qu'on est que yo pas qu'on citoyen ça même ni en pète ni en petit dans question la police ça veut dire monsieur a servi avec un faux badge qui fait y passer comme un policier. C'est ça, la police, ben, comme détail, sur arrestation Patrick Dieudonné, jeune dit, représenté comme membre actif gang Tigre, dans Delma 95, que la police arrêté et reproché monsieur pour divers chefs accusations, surtout question assassiné monde. Yeah.
On avance avec information toujours dans le journal Mega Matin. On avance avec information, nous préalons avec et sous question organisation américaine qui sortit un communiqué, nous préalons sur ça avant. Oui, nous pouvons aller avec Donissa, mais on va aller dans Miragouane, puisque nous avons parlé des questions de sécurité. Nous pouvons aller avec le commissaire gouvernement Miragouane, qui c'est Jean-Ernest Muscadin, et tout ça, qui, dernier temps, ça qui essayait de mettre le contrôle dans la juridiction Miragouane. Après, on entend que, bien, selon que en plus le monde, le commissaire gouvernement est prêt à tribunal premier instance à Miragouane, Jean-Ernest Muscadin, qui prend ancien pratique, les capable de mater une sécurité qui gagne dans la ville Miragouane, dans la juridiction là, dans le département ni payant. Maintenant, après, il y a lundi qui était 8 août 2022, dans la commune Fondeneg, un jeune garçon, selon l'information, sous ce paquet Miragouane, qui est capable de faire confiance, confiez-nous, M. Rélé, qui confie avec un média en ligne, à radiographie, mais un citoyen qui est les Junior Civil, M. Lompaquet, lui-même, M. Gonon, et la Junior Civil, alias à Claude Beyoud, M. qui s'était en présumé bandit, qui t'a fait partie groupe gang 5 secondes, ISO dans le village de Dieu. Monsieur là, quitté Port-au-Prince, monsieur t'a traversé là, pour le t'aller en dinant grand sud paysan. Dans traversé, monsieur t'a pralé dans fête, dans port salut, selon sa paquet à lui-même, lui fait connaître. Mais c'est un qui va l'acte de naissance li, d'après un paquet et Miragouane. Mais il joint non mouchoir que monsieur gagne, il joint deux cartouches calibre 5.46, et puis qui développé dans mouchoir ou mouchoir couleur blé. Mais monsieur qui s'en met à traverser pour aller dans la fête pour ça, lui côté ça, et bien, et mauvais chasse pour tout ça, et m'a dit comme ça, et bien, M. Gale Alpantan l'a croisé avec l'équipe, commissaire gouvernement, et Miragouane, qui c'est Jean-Ernest Muscadin, plus jamais, monsieur, pas de chasse pour te même guetter dans la fête là, pour le même retourner encore, d'après ça, que sous ce qu'on est capable de faire confiance avec, paquet Miragouane, qui est connu dans tête lycée, commissaire gouvernement, qui est Jean-Ernest Muscadin, c'est vrai. Oui, nous allons poursuivre avec information. Nous allons parler de l'autre dossier dans le journal là, des organisations américaines qui accusent à lundi en communauté internationale avec force interne crise institutionnelle qui gagne en Haïti. Côté guerre entre gangs armés, ont fait causer la mort de plusieurs dizaines de monde. Organisation émission éclair, VGT, et une solution haïtienne et certains pays à prôner et certains pays qui ont mis Haïti comme solution à la crise. 20 dernières années, ça y est, présence communauté internationale là, signifie un échec total côté et qui côté en Haïti, d'après déclaration OEA non communiqué, l'organisation internationale souligné, c'est échec ça, c'est résultat d'une mauvaise stratégie politique communauté internationale là, qui est pas tant mesure pour faciliter une construction, une institution unique qui a capacité pour répondre à un problème haïtien. L'année après l'année, même une seule institution par arrêté déclaration d'après OEA qui critiquait sous présence communauté internationale en Haïti, gang criminel yo assiégé pays et fermé peuple yo dans un seul espace, ainsi que processus pour capable désinstitutionnaliser et puis crise politique qui gagne dans pays. Malgré chèque ça, communauté internationale là a estimé seul haïtien qui est polarisé, qui pas grand pile ressources qui capable reconstruire ou bien bâtir un projet sécurité pour un pays sans ressources, dans un climat de violence, sans capacité technologique, sans l'argent, ou bien sans moyens financiers et sans saillot, je dis, les papas faciles pour capable de jouer une solution haïtienne par rapport avec la crise qui gagne en un pays d'Haïti. C'est ça, c'est l'organisation interaméricaine OEA qui est lui-même l'éclair pour dire que pas de 20 dernières années, mais la communauté internationale a échoué et contribué dans mettre Haïti dans le niveau misérable que les jeunes aujourd'hui ont. Côté pas dans quelle institution pendant mes présences à 20 dernières années ça y est international dans le pays d'Haïti qui campait debout, qui campait debout, au contraire c'est écrasé, écrasé net d'après mes organisations interaméricaines. Mais à tout de suite après mes ça qui dit bon côté responsable d'une organisation interaméricaine, il y a ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères Claude Joseph qui réagit après ça qui dit bon côté responsable d'une organisation interaméricaine. Bon, venir rapidement avec ça qui dit bon côté ancien PM
même Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères. Mais Claude Joseph dit qu'il prend note position organisation interaméricaine. Ancien premier ministre haïtien Claude Joseph dit qu'il prend note que secrétaire général organisation interaméricaine OEA n'a communiqué le mettez dehors dans la date qui était 8 août 2022 pour capable considérer nécessité qui gagne pour capable rendre justice à l'ancien président Jovenel Moïse. Claude Joseph l'ira pour si politique en réaction après ça qui dit beaucoup été responsable de l'organisation interaméricaine pour continuer à dénoncer le gouvernement Ariel Henry qui selon Claude Joseph Lyseyon en dit une entrave qui empêchait enquête à son assassinat ancien président Jovenel Moïse lui-même l'ira pour si dans le communiqué ça qui est publié Ariel Dion qui c'était 8 août 2022 ancien premier ministre Claude Joseph qui c'était ancien ministre affaires étrangères adultes. Le Joseph dit prend note dernière position, secrétaire général organisation interaméricaine sous dossier assassinat, ancien président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, on s'allait que dans notre là, moi vraiment, mais que bonne, il prend bonne note, bonne notion sur ça que communiqué presse, Yudaout, qu'il y a avec situation Haïti à côté, secrétaire général OEA limité de yon, nécessité pour ben, justice avec ancien président Jovenel Moïse, hein, que je dis à eux même tout a demandé ça, les amis Jomo et proches Jomo, tout ça, les familles Jomo a demandé ça, et tout, il y a une nécessité pour jouer une solution dans la crise, mais il y a prenez dernier temps, si là, yo, c'est ça, Claude Joseph lui-même écrit en réaction. Selon Claude Joseph, déclaration qui fait bon côté responsable dans OEA montre que mais l'éclair que c'est 48e président pays hein, Jovenel Moïse et l'éclair mais gain obstacle qui fait avec équipe Ariel Henry là pour que ancien président Jovenel Moïse pas jeune justice ça fait encore lui continuer à demander un bien collaboration support international là dans EDO pour permettre que dossier enquête sur assassinat ancien président Jovenel Moïse est capable avancer et jusqu'à présent Claude Joseph qualifié sacrifié ancien président Jovenel Moïse comme un assassinat aux yeux qui triste, qui fait mal, qui est honte pour pays et honte pour l'autre pays devant cap garder nous dans le niveau que un président non assassiné. Et ça, en gros, Claude Joseph qui croit que lui-même lui engagé dans la bataille ça et le pape j'aime suspendre Goumen pour demander justice pour ancien président Jovenel Moïse. Dossier insécurité, ancien député au Cala, Jean-David Genesté qui démentit information qui t'a fait quoi, ancien sénateur Yvon Biscret, ta victime à cause de ta relation avec Toto qui dans conflit avec groupe gang Timaka cap dirigé à ce parlementaire qui c'est bon ami Biscret fait qu'on est DG EPPLS là t'es en route pour papa la boule pour la Okay à l'ouest maman qui c'est un grand monde 95 l'année qui souffrit Alzheimer. Jean-David Genesté présenté ancien sénateur comme un monde non violent qui pas jamais utilisé armes même agent sécurité les pas gagné c'est lui qui t'a conduit machine avec Glonanger. Jean-David Genesté t'a répondu question au malais samedi. Je connais Yvon Biscret comme le fond de ma poche. C'est un ami, c'est un camarade. C'est un ami avec lequel j'ai beaucoup plus attachement qu'on frère. Nous parler, nous ne parlons pas, nous toujours au dernier causé dans parler. Yvon Biscret a un rapport sacré avec sa maman. Et mon qui mon cas est comme ça. Maman Yvon Biscret grandi là en code. C'est avec code pique l'élevé, petit lio. Et ils ont réussi. Ils vont seul pratiquer médecine à l'étranger. Ils vont Biscret, c'est des gens qui font non seulement des études en Haïti, mais qui font des études à l'étranger, notamment à Porto Rico. Ils vont Biscret n'a aucun rapport avec Toto. Je le dis, je le répète, je le maintiens et j'insiste. Ils vont Biscret bon quand elle a construit dans Port-au-Prince d'Elma 75, ça a 14 ans qu'elle n'a pas qu'on j'aime du. Quel rapport avec Toto, mon ami? Moi, je suis 12 ans, même dans mon rapport privilégié, sacré avec maman. Maman, ils vont Biscret, qui sont octogénaires, lui, fait Alzheimer. Ils ont vu Montréal, ils ont rentré en Haïti. Donc, comme ceux qui te viennent mener là pour les partis, ils vont abaisser nos cailles, notamment à Quin. Pour le prendre maman, hein, pour le descendre avec maman, pour le prendre maman à Quin, pour le mener by madame, qui sont infirmières, pour prendre soin de maman. C'est ça, mon ami. Quel rapport? C'est ça que samedi là, la Kaili, c'est une habitude. Et attention, Yvon n'avait pas d'agent de sécurité avec lui, il n'avait pas de chauffeur. C'est lui qui conduisait la voiture. Pas oublier que depuis le week-end, non, et
les gaz dans la zone ça, ils étaient sous mes zangis. Alors, moi-même, mais ça, mais alors, mais ça me décrit. C'est là que vous me faites toujours un téléphone. Il y a deux téléphones qui parlent jamais bouquet son nez. C'est un gros monde qui était toujours en campagne, qui était toujours sénateur, qui comprenait qu'il était résoudre tout problème Haïti. Tout problème en Haïti. Ils vont même avoir 50 000 gouttes là, ils vont le bail, ils vont rendez-vous à 300 gouttes. Je ne comprends pas. Donc, il était toujours pensé qu'il allait résoudre tout problème. Donc, j'ai l'impression, monsieur, est arrivé dans la zone, non? Téléphone dans les oreilles, il n'y a pas de compte. Il saute son aile, il y a avec une machine vite pété, il y a une plaque officielle, et puis il y a un possible privilégié. Donc, il a tiré sur la machine, non? Monsieur perd du contrôle de la machine, non? Et puis, yo. Aïe, aïe, aïe. Mon manège, ils ne vont pas mériter ça. Mon Dieu, mais ils vont discret là. Oh non, c'est inacceptable. C'est révoltant qu'on a dit. Si nous la montée agite comme ça. Non seulement je tue Yvon, mais je dis ça sur Yvon. Oui, c'est grave. Gagnant ces débités à toujours qui c'est Jean David Agéniste qui présente Yvon Bisrette comme un monde sympa quitté. Qu'on a aidé collectivité, là, c'est première autorité qui mettait l'école informatique dans OKL. Il était facilité tout en pile monde te gagne téléphone à Kayo dans Villa, l'LT et directeur téléco dans zone ça. Jean David Agéniste a annoncé une gros activité qui a réuni citoyens dans toute commune département sud-pays pour capable de s'allier mémoire ancien sédentaire Yvon Bisrette qui était toujours dévoué pour capable de servir communauté. Parole ancien député Jean-David Agéniste. Les relations que j'ai avec l'élève, c'est une relation de papa à petit. Et Yvon Bisrette, c'est un monde qui est d'une simplicité légendaire. D'ailleurs, capable de ça, c'est pas un monde qui est quoi dans le luxe, c'est un épicurien. Un peu de pain, un peu d'amitié, un peu de paille pour dormir. Il a appliqué la morale d'épicure. Donc, il était simple jusqu'à la simplicité. Donc, il était toujours dit que le bonheur est dans la vie simple. Ou à local, il n'avait pas de chauffeur avec lui. C'était lui qui conduisait. Il était bon monde qui accompagnait le compost, il n'a pas décidé de quitter le sénateur à local pour compter. Oui, il y a des camarades qui m'ont avec le Ronald. Ronald Mondesir. Qui c'est un proche. Donc, c'est Ronald qui a décidé du sénateur, qui doit aller pour compter, et m'a pas accompagné. Et Yvon Bisrette pas de gains dans la machine. De ma vie, m'a pratiqué Yvon Bisrette depuis une jeune garçon, pourquoi j'ai mon revolver dans la main. Là, on a démenti des informations, puisque il y a des informations qui dit que le monde qui t'avait été tiré avant même Ronald, et avant de mourir, il était tiré. Ils sont inoffensifs, sont des gens qui vont en partie. D'ailleurs, il a affectueusement appelé dans tout le département, papa bloqué. C'est comme ça qu'il est l'aile. Parce que l'agent, ils ne vont pas prendre une pièce pour le monde. Et d'ailleurs, c'est un sénateur dans le département qui n'a pas besoin de rendez-vous, mon voile le dans le Sénat. Et le week-end, s'il date qu'à Yvon, c'était pour son manifestation, monde qui vient chercher l'argent à l'école, monde qui vient chercher l'argent, pas qu'on est, monde qui est malade, etc. Et il était toujours là pour servir la population. Et à titre d'exemple, Yvon Bisrette bon l'école au CAI, ou capable de mener une enquête la Romanes, on connaît son journaliste enquêteur, qui est le CSTC, centre de formation technique et classique, CSTC. L'école ça a son deuxième lycée. On n'a pas besoin de l'argent pour aller dans l'école ça. Rappelez-moi, sénateur Yvon Bisrette, t'es bon classique, l'autre besoin de faire pour lui. Je dis le sénateur, ou pas prélève, je dis, ou pas mettre plus que 40 élèves dans le salon. Je dis non, qu'on soit petit peuple à l'école, n'a plus de 5 ans. À la fin de l'exercice romanesque, c'est plus que 100 élèves dans la salle de classe là. Et l'on a regardé, soit l'encaille de comptabilité, le baguette activé. Ça m'a dit là, si ma baille matisé pour mon cas élève de matin. Donc, on va le voir ça, dans l'hommage que n'a pas le bail sénateur Yvon Bisrette là, on va le voir démonstration. On va le voir sorti dans 20 communes dans le département, 69 sections communales ou bien 72 sections communales dans le département, comme un seul homme qui a sorti une baille affection à Yvon Bisrette. Son professeur. Moi, c'est le précurseur des NTIC dans le département. C'est l'ancien directeur départemental de la Téléco. N'a toujours été sous même dossier, ça a ancien sénateur Pierre Fouquet Exius qui a lui-même tout réagi suite à Zaxila. Ancien sénateur Pierre Fouquet Exius a dénoncé assassinat ancien collègue lui, Yvon Bisrette. L'action a multiplié après assassinat ancien sénateur Yvon Bisrette, directeur général entreprise et publique promotion, logement social. Yvon Bisrette avec un proche lieu, Jean-Ronald Monplaisir, samedi 6 d'août, dans la boule 12, c'est sénateur sud de la Pierre Fouquet Exius.
dénoncé assassinat tragique ancien collègue li dans une note rendue publique dimanche 7 d'août là. Ce sénateur l'a dit l'apprendre avec plus grande stupéfaction et avec la peine. Assassinat tragique ancien sénateur Yvon Biscrette samedi 6 d'août là. Et ancien collègue li dit le partager d'où les familles familles surtout population sud là. Moi crois que caravane funèbre ça qui a porté la vie en pile citoyen innocent, toute catégorie sociale confondue, la campé, la freiné au jeu quand même, d'après ce sénateur sud-là. Puis il faut qu'il exige se rappeler, population sud-là souffre longtemps avec à cause de sécurité qui gagne. Un deux pays puisse passer yon l'année, li présenter ses partis, les bail famille défunts, partisans, avec alliés défunts, et puis tout, population, 20 communes qui n'ont département sud pays. Cop transfert. Ça, cop transfert.